amis, info régionale, info locale, ça va envoyer de la patate. On va passer à l'affaire Lactalis et de retour. Le retour, le comeback. La saga de l'été. La saga de l'été. Plus fort que Star Wars, plus fort que Terminator, plus fort que Rocky. C'est la saga Lactalis, épisode 1, 2, 3, 4. Donc c'est le round 4 qui se prépare. Effectivement, après l'empoisonnement des poissons, des crevettes, des homards, de la mare au canard, Lactalis s'attaque aux nourrissons. On parle pas des nourrissons de poissons, on parle des bébés. Tout à fait. Les humains? Les bébés des humains. Messieurs, messieurs, dames, attention. Le lait Lactalis. Donc, ils se sont amusés à mettre du lactose périmé, pollué, dans du lait de bébé. Voilà. Donc, actuellement, ça fait grand débat. On en parle beaucoup à la télévision, sur les réseaux sociaux. Effectivement, cette pollution de bébé. Jusqu'où vont aller Lactalis? Hein? Ils vont aller polluer sur la planète Jupiter, Mars? J'ai en exclusivité Jean-René une image d'une vidéo. J'ai une vidéo là, j'ai récupéré cette vidéo par quelqu'un qui ne dira pas son identité. Voilà, en fait c'est la vidéo de la création du projet Lactalis. Je vous laisse regarder ces images abominables, voilà, c'est stupéfiant. Bon les amis, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous parler d'un plan stratégique, tout à fait, que j'ai élaboré, et ce plan, je l'ai nommé Lactalis. Tout à fait, l'opération Lactalis. Vous voyez, ici, se situe la France. Ouais. La France. Ouais, les amis. Ouais. Ok, donc ici, hein, près de la Bretagne, je vais installer une usine, ok, qu'on va construire. D'accord, les amis. Ouais. Ok, cette usine va produire du lait. Ok, on va arriver en mode sous-marin avec du lait. Et finalement, on va reverser du lactose. Comme ça, on va polluer tous les poissons. Ouais. Parce que nous, on n'aime pas le poisson. Pas de poisson. Pas de poisson. Pas de poisson. Calmez-vous, les amis. J'ai la solution. Donc, après avoir infesté la zone de lactose, tous les poissons vont disparaître sur un rayon de 300 km. Les amis. Alors, on n'est pas content? Ouais! Deuxième partie de l'opération que j'ai nommée Lactalis. Nous allons produire du lait de nourrisson. Parce que nous, on n'aime pas les nourrissons. Hein, les amis? Ouais! Pas de nourrisson! Pas de nourrisson! Pas de nourrisson! Exactement. Parce que moi, je me nourrisse et chacun se nourrisse. Hein, nourrissez-vous, nourrissez, nourrissons. Nous, on ne veut pas nourrir les nourrissons. On va leur foutre du lactose, hein, dans les biberons. Ok? Troisième partie de l'opération Lactalis. Nous allons... Oh putain, c'est qui ça? Dédé, bloque les portes. Il y a GIGN qui débarque. Eh hey, les amis, eh hey, Lactalis, on lâche rien. Ouais. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir... non mais... Donc voilà, voilà ce qui se passe, hein. Donc d'où le projet Lactalis, hein, si vous voulez rejoindre le mouvement. Hein. Et on rappelle que le président de Lactalis est toujours jugé. Tout à fait. Son jugement sera normalement clos le 2 janvier 2018. Le 2. Et le 2, donc soyez devant les infos. Voilà, et je pense que le 2 janvier, il n'y aura pas grand monde devant, mais bon. Mais en tout cas, on sait très bien qu'il risque d'être viré. Et de devoir démissionner. Et ça, il y aura donc quelqu'un qui pourra reprendre le rôle de président. Je me propose. Directement. Vous voulez non, mais je veux bien, hein. Moi je peux envoyer mon CV, il n'y a pas de problème. Je connais bien les poissons et je connais bien les nourrissons. Donc, Vous voulez quitter Manac alors? Ah non, mais je ferai ça à mi-temps, oui. en bipolaire. Allez, autre info.